Amen. Je vais donner un message, après je vais faire appel au pasteur Eric pour le service de l'offrande. Amen. Je donne un message pour les Congolais. I just want to give a message for the Congolese. Alléluia. Votre chef d'opposition n'est pas un opposant. Si vous le votez, vous allez perdre la présidence. Your chief or your leader of opposition is not the opposition. Je crois que vous passez pour beaucoup. Vous avez déjà l'image de qui je suis en train de parler. I know that you have got the picture. Le Rassam, c'est Rassam, le chef de l'opposition. Le fils de celui qui est mort. The son of the one who died. Ce n'est pas un opposant. It's not a si vous lui donnez vos voix. If you give him your c'était comme si vous donnez la majorité. It's like you are giving to the other people on the side. Ça c'est mon père. This one is my father. Il m'a reçu en Zimbabwe. He welcomed me in Zimbabwe. Lorsqu'il m'a reçu en Zimbabwe. When he welcomed me. Le Seigneur nous a fait grâce à entrer dans une maison présidentielle. The Lord allowed us to enter in the state house. Je les ai annoncés sans mâcher les mots. I just proclaimed them without en disant que Mugabe va quitter le pouvoir. Telling them that Mugabe is going to take away. Je suis arrivé ici dans ce pays. When I reached here, l'année passée, last year, je l'ai dit sur Facebook. I say it through Facebook. Avant la fin de l'année, il ne sera plus président. Before the end of the year, he won't be a president again. Et il n'est pas président. And he's no longer a president. Alléluia. Le témoin vivant, c'est lui qui est en face de lui. The living testimony is the one who is among you. Je vous dis aussi, I'm telling pendant que j'ai prié, when I was praying, pour vous les Congolais, for the Congolais, vous n'avez pas encore un opposant. You don't have a leader. C'est lui qui est leader de l'opposition. The one who is a leader n'est pas un opposant. Is not an opposition. Et il ne sera jamais président. He won't be a president one day. Alléluia. Amen. Priez. Pray. Réfléchissez. Think. Et le Seigneur vous dira. And the Lord will tell you. La dernière prophétie pour les nations. The last prophecy for the il y a nation. Deux choses qui vont arriver dans les jours à venir. There is two things which are going to come. Le péché qui va détruire l'être humain. The sin which is going to destroy a woman. Je donne un message universel maintenant. I'm giving the message from the whole world. Le péché qui va détruire l'être humain. The sin which is going to dans destroy les jours a venir. Woman being and the future. C'est l'intelligence. It's the knowledge. L'adversaire de l'être humain. Le diable combattra l'être humain par son intelligence. The devil is going to fight a human being through his knowledge. À cause de l'intelligence. Because of the knowledge. Aujourd'hui, nous utilisons l'intelligence artificielle. We are using those who they make or they are technology. C'est-à-dire l'être humain meurt. The human being is going to die. On télécharge sa conscience. But they are going to take or download his c'est-à-dire cet homme-là n'est pas mort. Or que la Bible dit, il est réservé pour un homme devenir une seule fois à la vie et une seule fois. But the Bible said that it's reserved to a human being to live once. À cause de l'intelligence. Because of the knowledge. Les gens se marieront. People are going to officiellement. Officially. Avec des animaux. With animals. À cause de l'intelligence. Because of the knowledge. Alléluia. Amen. L'intelligence sera établie comme étant une idole. The intelligence or the knowledge is going to be established like an idol for a human being. Toi qui m'as écouté. You who are que ton here, intelligence ne s'élève pas au-dessus. Don't allow your knowledge. À l'époque de Daniel. And Daniel. L'intelligence a connu le peuple. Knowledge. À fléchir les genoux devant la statue. To bow before the status. Alléluia. Amen. Ton intelligence. Your mind. Plusieurs personnes ici ne croient pas en Jésus-Christ. Many people they don't believe in Jesus Christ because of their knowledge. Ça serait l'intelligence. That is the adversary for the future. Le dernier message. The last message pour aujourd'hui. For today. Le Seigneur m'a dit, il y aura beaucoup de gens qui deviendront prophètes et pasteurs. The Lord told me that we are going to have a lot of Apocalypse, people who are going to 14. Become pastors and prophets. You can see it or read in the book of Ezekiel chapter 15. Vous allez vérifier. Ezekiel chapter 15. Isaiah chapter 15. Isaiah 15 also. Mais Dieu me dit ceci. But the Lord is telling me this. Le Seigneur me dit ceci. The Lord said this. Ça c'est un homme de Dieu. That man is the man of God. Je ne connais pas. I don't know you. Mais pendant que je le vis, but when je I saw you, ici.
le prophète. I saw a Bible and le Seigneur m'a dit, c'est un homme qui sert dans mon sacerdoce. The Lord told me that it's a man who's working in car business. I don't know you. Je sais pas. Mais je vois parmi les enfants qui sont en toi. But among your il y a aussi children, des serviteurs et des servantes de Dieu. Yes. There is also servant of the Lord. Je sais, vous avez des enfants. You have got children. Parmi ces enfants-là, among, il y a des enfants qui serviront le Seigneur. They are going to serve the Lord. Alléluia. Amen. Je vais passer l'état. Si je continue, ils auront dormi ici. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bienvenue à 10h. Je fais appel au pasteur Eric. Il va venir faire le service de la foi. Et je vais le prier. Que le Seigneur vous bénisse. Si je vous ai choqué, veuillez me pardonner. Amen. Que l'Éternel est-ce qu'on peut applaudir pour notre Dieu.